Est-ce qu'un enfant de BCK peut louer le Seigneur? Alors, on va rester debout et la sœur aimée va nous faire la lecture de la parole de Dieu ce matin. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 4, versets 2 à 3. Matthieu 4, versets 2 à 3. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Parole de Dieu. C'est fort, réponds encore. Après avoir jeûné 40 jours... Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Un jour, je prêcherai sur ça. Sur 40 jours et 40 nuits. Parce que beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cette révélation de 40 jours et 40 nuits. Ils pensent que Jésus a jeûné 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est différent. Alléluia. Donc, Jésus a affronté 80 étapes dans son jeûne. Amen. Vas-y. Il eut faim. Il eut faim. Dis à quelqu'un, as-tu faim? Dis à quelqu'un, as-tu faim? Le tentateur. S'étant approché. Lui dit. Si tu es le fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le deuxième passage. Ruth 1, versets 1 à 5. Du temps des justes. Il eut une famille dans le pays. Waouh, j'aime cette version. Du temps des justes. Qui est juste? Celui qui a Jésus-Christ. Alléluia. Il nous justifie, dit la Bible. Amen. Vas-y, du temps des justes. Un homme de Bethléem de Juda. Parti avec sa femme et ses deux fils. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens. Et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Élimélec. Mari de Naomi. Mourut. À quel moment ils sont morts? Lorsqu'ils ont fixé leur demeure. Et elle resta avec ses deux fils. Mais elle resta encore avec ses deux enfants. Ils prirent des femmes moabites. Ils ont même pris des femmes. Dont l'une se nommait Orpa. Il y a une qui s'appelle Orpa. Et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Eux aussi, ils ont habité là. Ils se sont fixés leur demeure pendant 10 ans. Machlon et Kiljon moururent. Aussi. Tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Parole de Dieu. Acclame cette parole de Dieu. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis dans la joie parce que l'Éternel va encore parler. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes attendent une parole de l'Éternel? On peut tout faire, on peut tout dire, mais il n'y a aucune personne qui peut obliger Dieu à parler, même le bishop. Personne. Dieu est Dieu et il parle quand il veut. Ton père spirituel peut être un facilitateur. Quelqu'un qui pleure devant la face de Dieu pour qu'il puisse te bénir. Mais n'oublie jamais ceci. Personne n'a le pouvoir d'obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. On peut toucher Dieu pour qu'il agisse. Mais on ne peut pas obliger Dieu à agir. Aucun être humain, aucune force spirituelle n'a cette force de tordre la main de Dieu, d'obliger la bouche de Dieu à parler. C'est pourquoi la Bible va dire, si l'Éternel ouvre, qui a la force de fermer? S'il ferme, qui aura la force d'ouvrir? La Bible va plus loin pour dire, si l'Éternel est avec moi, qui aura la force
de se tenir devant moi. Il est le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre. Ce matin, l'Éternel veut nous parler du danger de la faim. Avoir faim, quel est le danger qui accompagne cela? Parce que c'est la faim qui amène des enfants de Dieu à se déconnecter de Jésus-Christ. De quelle faim nous parlons ce matin? Ne parlons pas de la faim physique. Mais puisque la faim physique est caractérisée comme le manque de nourriture, c'est que la faim transporte un manque dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, je veux parler de la faim spirituelle. Car la Bible dit dans Matthieu, le maître Jésus va rentrer dans le désert. Il va commencer à jeûner 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit, ce jour-là, Jésus eut faim. Je voudrais rappeler ici que Jésus-Christ a été envoyé sur la terre pour la sauver. Jésus-Christ a été envoyé sur la terre pour que quelqu'un passe d'une étape A à une étape B. Je voudrais dire que l'Éternel est venu sur la terre pour nous racheter. Mais depuis que Jésus est sur la terre, Satan ne l'a jamais approché. Satan rôde. Et la Bible dit, Satan est comme un voleur. Il rôde, il tourne. Satan est rusé. Satan est malin. Il n'est pas intelligent, mais il est malin. La malice et l'intelligence, c'est différent. Alléluia. Donc Satan est malin. Il observe, il regarde. Il sait que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Il sait que celui-là, si je m'amuse, je peux perdre beaucoup. Alors il regarde quelle sera la meilleure occasion pour que je puisse l'attaquer. Alors la Bible dit, il était tellement patient. Vous savez, l'un des caractères que beaucoup de personnes ne savent pas de Satan, Satan est très patient. Il peut te regarder avancer. Tu as comme l'impression que tout marche. Il est patient. Parce qu'il ne veut pas te donner le coup qui va t'envoyer à l'hôpital. Mais il veut te donner le coup qui t'envoie à la mort. Et pour ça, il préfère attendre le bon moment. Et il attendait le bon moment pour voir comment je peux toucher ce Jésus. Comment je peux arrêter sa vie. Comment je peux détruire son étoile. Comment je peux arrêter son ministère? Le bon moment. Et le moment qu'il a choisi était le moment où Jésus eut faim. J'ai alors compris une chose. C'est lorsque l'être humain a faim que Satan rentre en ligne de compte. C'est quoi la faim? Lorsque tu manques de quelque chose. C'est quoi la faim? Lorsque ton foyer ne va plus. C'est quoi la faim? Lorsque tu es humilié et rejeté. C'est quoi la faim? Lorsque tes affaires tombent. C'est quoi la faim? Lorsque tu ne comprends plus ta vie. C'est quoi la faim? Lorsque ceux que tu as aidés hier se moquent de toi aujourd'hui. Il y a une frustration qui rentre en toi. Et tu te dis, je dois réussir coûte que coûte. Tu dois sortir de là. C'est à cet instant-là, enfant de Dieu, que le diable t'approche. Et lorsqu'il a approché Jésus, il n'a pas dit à Jésus, il faut que nous puissions combattre. Il faut que le fight commence. Il dit, si tu me sers, je t'élèverai. J'ai alors compris que le combat que Satan engage avec les élus de Dieu n'est pas d'abord un combat de force. C'est un combat de conscience. Il emmène ta parole, sa parole entrée en toi. La Bible dit la parole est une semence. Il sème la parole en toi. Il sème le mensonge en toi. Il sème des mauvaises idées en toi. Il sème des mauvaises solutions en toi. Et si jamais tu attrapes cela, il sait que tu es fini. Il a sémé ça en Jésus. Si tu m'adores, je donnerai l'univers. Si tu m'adores, les royaumes et les nations. Jésus a regardé ça. Jésus a dit oui. Mais ce que tu me montres m'appartient déjà. Est-ce que vous savez que Satan n'a rien du tout?
C'est pourquoi c'est un voleur. En fait, Satan te fait croire qu'il a quelque chose. Et Satan te présente quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Et il te dit, signe un pacte avec moi, fais ça avec moi et tu verras cette gloire. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme est impatient. L'impatience peut t'emmener à perdre ce qui est le plus important. J'ai enseigné un jour, et j'ai dit, il y a l'urgent et il y a l'important. Avoir une maison, c'est urgent. Avoir une caution de maison, c'est urgent. Avoir une voiture, c'est urgent. Avoir de beaux habits, c'est urgent. Mais avoir le ciel, c'est important. Et beaucoup de personnes vendent l'important à cause de l'urgent. L'urgent finira par passer. Des gens arrivent à l'hôpital, on les met en urgence, mais après, ils ont un endroit où on les dépose. On ne reste pas dans l'urgence, mais à cause de l'urgence, tu vends l'important. L'important, c'est l'étoile que tu as. L'important, c'est le royaume que tu as. Beaucoup d'enfants de Dieu ce matin, Dieu vous parle. Parce que la saison où nous rentrons pour les 6 derniers mois, c'est une saison de combat spirituel. Pas par le fight, mais par des paroles dans la conscience. Le diable voit que tu commences à avoir faim. Tu commences à te décourager. Tu commences à te dire, mais voilà 6 mois qui sont passés. Cette année encore, est-ce que je vais voir la gloire de Dieu? Voilà 6 mois encore où je vais souffrir. Voilà 6 mois encore. Voilà 6 mois encore. Et Satan dit, c'est le bon moment. Comme elle commence à se plaindre, comme il commence à se décourager, comme il commence à parler, my God, je vais rentrer et je vais le faire perdre. Fais attention à la faim. C'est quand tu as faim, c'est quand tout ne va pas bien que Satan veut en finir avec toi. Tu es en position de faiblesse. Quand tu pleures, quand tu te lamentes, quand tu te lèves le matin, tu te rends compte que tu n'as même pas de joie. Parce que tu regardes ta vie, tu n'es pas content de ce que tu regardes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu veux. Mais le plus important, c'est que Satan sait ce que tu vas devenir. Satan sait que ton point faible, c'est le manque de patience. Et parce que tu manques de patience, il te vend ce que Dieu a déjà prévu te donner. Les hommes de ce monde disent, celui qui est pressé d'avoir un enfant risque de marier une femme enceinte. Ne va pas là où tu vas perdre ta vie. Jésus a résisté. Jésus a résisté. Et la Bible dit, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est qui vit en toi? Jésus-Christ. Il a le pouvoir en toi de résister. Tu peux résister. À quel moment le diable vient? Quand tu n'as plus d'argent, il envoie quelqu'un qui te remarque sur le trottoir. Tu es en train de passer, tu descends de ton taxi. Il y a quelqu'un qui t'arrête, qui te promet monde et merveille, mais qui te montre le chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. La bonne question, ce n'est pas, oh, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent qu'il va me donner? La bonne question, c'est pourquoi cet argent vient maintenant? Et pourquoi Satan me propose ces choses? Lorsque des gens lisent la Bible, ils disent, moi, je vais faire comme Jésus. Amen. Si c'était facile, mon frère, la Bible ne s'était pas créée. Si c'était facile, ma soeur, Dieu n'aurait pas dit chaque dimanche, viens pour que quelqu'un te parle. On doit te parler parce que ce n'est pas facile de refuser à Satan. Satan connaît tes problèmes. Il vient avec des semblants de solutions. Satan connaît ton problème. Il vient avec des semblants de solutions. Beaucoup de personnes sont rentrées dans l'impatience. Et Satan a frappé à la porte de leur vie. Ma camarade se marie. Mes amis se marient. Moi je suis belle, mais je ne me marie pas. À force de chercher un mari à tout bout de champ, tu tomberas sur quelqu'un que Satan va envoyer pour détruire ta vie. Se marier c'est bon, mais être heureux dans le mariage c'est mieux. Je préfère attendre le bon temps et me marier pour être heureux que de me marier parce que les autres se marient. Fais semblant dehors, mais être très malheureux. Combien de comédies dans les foyers? Combien de comédies dehors? Elle sort, elle montre aux gens que ça va, mais à l'intérieur c'est le feu. Jésus dit, je t'aime tellement que je ne veux pas ce genre de foyer pour toi. Et toi tu vois ce temps comme un retard. Je suis en retard. Tu es en retard sur qui? Il n'y a pas de compétition. Tu es un fils, une fille du royaume. De
Pourquoi as-tu peur? C'est Dieu qui qualifie le bon moment. Le moment que toi tu penses n'est pas le bon moment. La personne peut-être que tu vois là, ce n'est pas le monsieur que Dieu veut pour toi, la femme que Dieu veut pour toi. Dieu a prévu quelqu'un. Tu peux résister au diable. Accroche-toi à Jésus-Christ. Beaucoup ne s'accrochent plus aujourd'hui, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils ont laissé la main de Dieu. Ils ont attrapé la main du diable. Simplement parce qu'ils ont faim. Quand tu as faim, tu es en danger. Quand tu as faim, garde les paroles de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il a dit à Jésus, change ces pierres en pain, Jésus lui a dit, l'homme, de quel homme il parle? L'homme en Christ. De quel homme il parle? L'homme de Dieu. De quel homme il parle? L'homme, la fille de l'Éternel, ne se nourrira pas seulement que de pain. Mais sa vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. Lorsque tout va mal, lorsqu'on se moque de toi, lorsque tu ne comprends plus ta vie, tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts, souviens-toi de la parole de Dieu. Elle est la meilleure nourriture. Quand tu as la parole de Dieu, même quand les gens te voient malheureuse, ils ne comprennent pas pourquoi tu as la paix. Regarde, tout ce qu'on fait là, c'est pour avoir la paix du cœur. Mais beaucoup ont l'argent, beaucoup ont le mariage, beaucoup voyagent, beaucoup ont tout ce qu'il faut, mais n'ont pas la paix. Toi, tu as la paix. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ. Vous savez, tu peux avoir tout l'or du monde, mais quand tu n'as pas la paix, tu n'as zéro. Ce qu'il te faut, c'est la paix. Il y a des gens qui se sont mariés, ils ont que pour beauté leur photo de mariage. Mais après ça, c'est le feu. On te trompe avec la servante. Tu peux résister. Tu peux sortir de là. Tu peux dire non au diable. Parce que tu as en toi la parole de la vie. À qui je parle ce matin? Est-ce que tu peux me dire amen? Si tu entends ce message, dis-moi amen. La Bible dit, une famille va elle aussi rencontrer le problème de la faim. Naomi, Elimelech et leurs deux enfants, Machlon et Kiljon. Une famille heureuse qui vivait où? À Bethléem. La maison du pain. Bethléem signifie la maison du pain. Mais un jour, le pain a manqué à Bethléem. Comment comprendre ça? Un lieu où il y a la maison du pain. Vous savez, il y a des régions qu'on qualifie par rapport à des fruits. On dit la région de l'ananas, comme Benoît. Pour ceux qui connaissent ici en Côte d'Ivoire, Benoît, c'est l'ananas. Donc, même si tu n'as pas eu ananas ailleurs, quand tu arrives à Benoît, au moins tu as ananas. Mais on dit quand tu n'as pas eu de pain ailleurs, quand tu arrives à Bethléem, tu as le pain. Mais le jour là, la source a manqué de pain. Vous savez, souvent, Dieu peut permettre que quelque chose manque dans ta vie pour que Dieu voie jusqu'à où tu l'aimes. Ce que tu appelles « j'ai des problèmes » peuvent être l'épreuve et le test de Dieu pour voir ton amour. Vous savez, Dieu ne croit pas en « je t'aime » de celui qui a à manger. Dieu croit au « je t'aime » de celui qui n'a rien à manger. C'est quand ça ne va pas que ton « je t'aime » prend une valeur. Lorsque un homme perd tout et que sa femme lui dit « je t'aime », ce « je t'aime » là est un « je t'aime » qui n'a pas de prix. Parce que je n'ai plus rien, mais tu m'aimes quand même. Lorsque Dieu ne fait pas ce que tu veux, lorsque Dieu ne te donne pas ce que tu attends, et que tu chantes tes louanges, et que tu glorifies son nom, et que tu chantes ses témoignages, en ce moment-là, il sait qu'il est en face d'un fils et d'une fille. Jusqu'à où tu aimes Jésus? Tu l'aimes dans l'abondance ou tu l'aimes dans tous les moments de ta vie? Naomi était heureuse. Quand tu demandes à Naomi, mais c'est comme elle dit, non, moi je suis en Dieu. Mon mari là, en Dieu. Mes enfants là, en Dieu. Tout était bon jusqu'à ce que le pain manque. Quand le pain a manqué, la véritable nature de Elimelech et de Naomi est sortie. Machlon et Kiljon, l'un des mots signifie malade. L'autre mot signifie mourant. Mais quand ils étaient à Bethléem, ils ne mouraient pas. Celui qui était malade ne tombait pas malade. En un mot, quand tu es dans la maison de Dieu, il y a problème, mais tu ne sens pas. Quand tu es dans la maison de Dieu, il y a des difficultés, mais tu ne sens pas. Tu peux être Machlon, tu peux être Kiljon, c'est ce qu'on veut pour toi, mais l'onction te protège.
Ils étaient, l'un, son nom signifie mourant, mais il n'est pas mort. L'autre, son nom signifie malade, mais il ne tombait pas malade. Mais quand il est sorti de l'alliance, ça l'a rattrapé. Celui qui était malade est tombé malade. Celui qui était mourant est mort. Les deux mêmes sont morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protection. Le diable ne pourra jamais t'attaquer aussi longtemps que tu restes sous l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne pourra jamais t'atteindre aussi longtemps que tu restes sous l'alliance de Jésus de Nazareth. Je sais, ce monde est difficile. Je sais, ce monde est humiliant. Je sais, il y a des combats dans ta vie. Je sais, tout n'est pas facile. Je sais, les gens sortent avec des gens. Je sais, on dit que quand tu es en Europe, tu manges ton totem. Je sais, mais toi, tu es différent en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es différent. Naomi avait quelque chose que nous avons ce matin. Son nom signifiait la grâce. C'est pourquoi Dieu l'a gardé en vie. Pour que nous puissions apprendre de sa vie. Ce n'est pas parce qu'elle méritait qu'elle a pu revenir, mais parce que Dieu lui a fait grâce. Peut-être qu'un certain bishop César Cassier de son temps lui a prêché ce même message un matin. Elle n'a pas attendu deux fois. Elle a pris son courage. Elle n'a pas regardé la honte. Elle est revenue. Elle n'était plus la même. Elle avait maigri. Parce que les gens ont dit, est-ce toi Naomi? En un mot, tu as changé. Mais Naomi dit, même si vous moquez de moi, je reviendrai. Tu sais, souvent il y a des choses que tu as arrêtées. Et tu es parti vers le diable. Le jour où tu vas quitter là-bas, les nouveaux amis l'avaient dit, mais qu'est-ce que tu as eu? Tu es devenu gawaze. Tu n'as plus les grands sacs. Est-ce toi, Naomi? Mais au moins une chose est sûre, tu as retrouvé Bethléem. Quand tu retrouves Bethléem, tu retrouves la protection. Parce que Joseph, Naomi a retrouvé Bethléem. Permet au ventilateur de recommencer à être branché. Quand tu retrouves Bethléem, tu es reconnecté. Et ceux qui t'ont vu arrêter, qui se moquaient de toi, ceux qui t'ont vu arrêter, qui te mataient, ceux qui t'ont vu arrêter, qui t'humiliaient, vont te revoir en train de tourner. Je prophétise sur ta vie. Je ne sais pas ce qui était arrêté. Je ne sais pas ce qui était suspendu. Mais la gloire de Dieu ce matin va te faire tourner. Aïe, 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 aïe. Tu me dis amen, tes affaires vont tourner. Tu me dis amen, ton mariage va tourner. Tu me dis amen, ton foyer va tourner. Et je déclare dans le nom de Jésus, tu seras comme ce ventilateur. Tu tourneras, mais tu donneras du vent à ceux qui sont autour de toi. Ta mère aura du sourire à cause de toi. Ton père aura du sourire à cause de toi. Des personnes ne seront pas dans la chaleur à cause de toi. Je prophétise sur la vie des personnes. La main de Dieu va s'accomplir sur ta vie. Tu ne mourras pas de l'autre côté. Tu ne mourras pas dans le camp de Satan. Tu ne mourras pas dans le camp de l'ennemi. Tu ne mourras pas à l'étranger. Tu ne mourras pas chez les Moab, tu retourneras.